Nous allons à présent assister au panel numéro 1 portant sur la thématique stratégie buy and hold. Quelles sont les alternatives possibles? Ainsi, en introduction de ce premier panel, M. Babacar Touré, directeur général adjoint de Banque de Dakar, nous entretiendra au préalable sur le sujet stratégie buy and hold, impact sur la mobilisation des ressources et le coût d'opportunité. Ce panel sur le développement de marché est modéré par M. Arnaud Diété, directeur de Central Corporate and Investment Banking, Mansa Bank. M. Diété, nous vous cédons la parole pour ce panel. Bonjour à tous. On m'entend? Oui, bonjour, nous vous entendons très bien. Ok, bonjour à Yomouatid, bonjour à tous les participants à cette rencontre. J'aimerais tout d'abord souhaiter mes vœux les meilleurs de santé surtout à tous les participants et après de réussite et de succès dans toutes nos entreprises. Nous allons démarrer ce panel 1 qui porte sur la stratégie buy and hold. Quelles alternatives pour notre marché? Mais avant tout, j'aimerais d'abord, avant de donner la parole à M. Babacar Touré pour sa présentation, avoir d'abord une brève présentation des différents panélistes. Nous avons tout d'abord M. Babacar Touré que vous venez de présenter, qui est le directeur adjoint de la Banque de Dakar. Ensuite, nous avons M. Jean-François Brou, qui est le DG de Swaga, partenaire privilégié de cette rencontre, et M. Idriss Aboli, qui est cofondeur. On m'entend? Alors, je n'ai pas de retour. Oui, nous vous entendons très bien. Ok, merci beaucoup. Et donc, ainsi présenté les trois panélistes, on va revenir un peu plus tard encore sur la présentation beaucoup plus approfondie, les différents parcours de ces différents panélistes. Mais je m'en vais tout de suite laisser la parole à M. Babacar Touré, qui va nous entretenir sur son thème avant de revenir sur les points saillants qui concernent effectivement le panel que nous allons modérer dans quelques instants. M. Touré, à vous la parole. Bonjour Arnaud, merci beaucoup, bonjour à tous. J'ai partagé mon écran, j'espère qu'il est visible pour tout le monde. Alors, je demande de donc, dire quelques mots d'introduction sur la stratégie de buy and hold, l'impact sur la mobilisation des ressources et le coût d'opportunité. Je pense que dans un premier temps, puisqu'on parle ici bien sûr du marché titre public, c'est de dérouler les choses et de d'abord regarder quel est notre contexte sur le marché primaire, quel est notre contexte sur le marché secondaire, et ensuite faire un focus vraiment sur le buy and hold et voir quelles sont les alternatives possibles sur notre marché. Sur le primaire, je pense que je vais aller assez vite sur cette partie-là. Je pense que la petite vidéo capsule qu'on a eue est très claire sur les performances sur le marché primaire qu'on a pu observer. Et bien sûr, ici, je vais faire un focus sur le marché par adjudication. On a un marché qui, globalement, sur les 5 ou 6 dernières années, est passé à peu près de montants émis qui tournaient autour de 2 000 milliards en 2014, à un peu plus de 5 000 milliards en 2021. Et tout ça avec une hausse des encours assez importante. Donc là encore, un peu moins de 4 milliards en 2014 et on est à plus de 10 000 milliards en 2021, avec un effet bien sûr assez important sur les différentes mesures et les différentes obligations spécifiques qui ont été créées dans le cadre de l'accompagnement suite à la pandémie, les obligations de relance, les bons de soutien, etc. Donc un marché primaire qui reste dynamique. D'un point de vue de la capacité à mobiliser des ressources longues et de taux d'intérêt, ce qu'on constate en tout cas depuis 2014, c'est que la durée de vie moyenne des émissions sur le marché primaire a littéralement doublé entre 2014 et 2021. Et par contre, lorsqu'on regarde ensuite les taux d'intérêt, les années où on a eu à constater un dynamisme moins important du marché primaire, bien sûr, cela s'est accompagné avec une hausse des taux. Et lorsqu'on a regardé aujourd'hui deux maturités, donc on a pris le Bénin sur 5 ans et le Togo sur 3 ans, on voit que les années où la mobilisation a été moins importante, notamment en 2018, a correspondu à un pic sur les taux d'intérêt. Donc,
On a un marché primaire qui, bien sûr, dépend fortement de la demande des investisseurs, et cela se traduit forcément par le niveau de taux d'intérêt. Et on a un marché qui a 90% est détenu par les investisseurs primaires. Donc, investisseurs primaires, je parle ici des banques de l'UMOA. Donc, les constats sur le primaire, c'est que je pense que les besoins des États sont globalement comblés sur ce marché primaire. On a une tentative de pousser des maturités longues lorsqu'on est dans des contextes de taux bas. Et malheureusement, on a un contexte qui est marqué par un poids des banques beaucoup trop important sur ce marché. Lorsqu'on regarde ensuite sur le marché secondaire, d'un point de vue, alors, c'est vraiment par hasard que les deux graphes se sont superposés, mais on est sur deux échelles différentes. D'un point de vue nombre de transactions, on était à peu près, en 2014, on était à moins de 50 transactions sur l'année, et on est passé en 2021 à plus de 1200 transactions sur l'année. Donc, on a eu quand même une tendance globale qui a voulu que le nombre d'opérations qu'on a pu avoir sur le marché secondaire est de plus en plus important. Et on a également des volumes qui sont échangés sur le marché secondaire en hausse. Donc, on est passé là encore à moins de 100 milliards échangés en 2014 à plus de 2500 milliards échangés sur l'année 2021. Donc, je dirais que la tendance est la bonne. Lorsqu'on regarde le nombre de banques qui sont intervenues sur le marché secondaire, on est passé de 60 banques qui ont eu à intervenir sur le marché secondaire, alors plus de 5 fois. Lorsque je regarde le graphe, histogramme marron, on parle de banques qui ont eu à faire plus de 5 opérations dans l'année. Donc, on a 60 banques de l'Union qui ont fait plus de 60 transactions dans l'année. Lorsqu'on regarde par contre les banques qui ont fait plus de 52 transactions dans l'année, ce chiffre baisse à 14 en 2021. Donc, on a de plus en plus de banques qui interviennent, mais on a encore un nombre de banques qui interviennent de manière récurrente qui, selon moi, n'est pas assez important. On a regardé un indicateur et j'ai trouvé assez intéressant de se dire que on s'est focalisé sur les banques qui ne faisaient qu'acheter. Et là, vraiment, on a juste exploité les principalement les données fournies par l'agence Ivoire Titre. Lorsqu'on regarde les banques qui ont été uniquement acheteuses sur le marché, on a à peu près, là encore, je regarde le nombre de banques qui ont eu à faire plus de 5 transactions, on a de manière constante, entre 2018 et 2021, on a une dizaine de banques qui ne sont présentes qu'à l'achat. Les conclusions rapides qu'on peut tirer sur ce marché secondaire, c'est qu'on a une amélioration du cadre. Donc, on voit de plus en plus de transactions se faire entre banques sur le marché secondaire. On a un nombre d'actifs, d'acteurs actifs qui est encore trop faible. Et malheureusement, on n'a pas réellement de visibilité sur les opérations qui se font entre banques et leurs clients. Ça, c'est la partie de… Alors, je n'ai pas envie de dire c'est la partie cachée de l'iceberg, mais c'est la partie de l'activité qu'il est très dur d'apprécier. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons regarder, ce sont les transactions entre banques. Mais puisqu'on considère 90% des encours, on pense également que c'est là que les volumes sont le plus importants. Lorsqu'on a campé cette situation, un marché primaire, un marché secondaire, la question, c'est de se dire qu'est-ce qui, en tout cas, nous, d'un point de vue banquier, qu'est-ce qui nous pousse à faire des opérations sur le marché secondaire? Je suis ressorti avec 4 principaux éléments. Le premier, c'est de monétiser la performance. Lorsqu'on regarde aujourd'hui le nouveau plan comptable bancaire, les seuls portefeuilles où nous pouvons… Alors, le seul moyen aujourd'hui pour monétiser la performance et donc pouvoir prendre du profit dans un contexte de baisse de taux d'intérêt en été, c'est soit en vendant les titres, soit en ayant ces titres détenus dans un portefeuille de transactions. Et paradoxalement, lorsqu'on regarde aujourd'hui les encours détenus par les banques, à 85%, ces encours sont détenus dans des portefeuilles de placement. Ce qui veut dire que sur tous ces encours, et parce que le portefeuille de placement permet de faire des opérations sur les marchés secondaires, le seul moyen de monétiser sa performance, c'est de vendre les titres. Et donc, cette monétisation
ne peut se faire que par une vente sur le marché secondaire ou alors si on a la chance d'avoir des titres dans un portefeuille de transactions, mais qui nécessite un certain nombre de contraintes et qui, je pense, justifie qu'on n'a pas beaucoup de banques qui ont leur titres dans un portefeuille de transactions. Au-delà de cette motivation de la performance, c'est de combler le gap sur le marché primaire. Je m'explique. Je pense que lorsqu'on fait une gestion de son portefeuille, on a bien sûr l'arbitrage entre, lorsqu'on est acheteur en tout cas, de soit se positionner sur le marché primaire, soit aller voir ce qu'il est possible d'avoir sur le marché secondaire. Et on pourrait, et je pense que dans tout mon propos, j'ai peut-être plus soulevé de questions que d'apporter de réponses, c'est que on a eu 61 transactions sur le marché secondaire en 2014, on a eu 187 en 2021. Et donc, on peut aller sur le marché secondaire pour combler le gap en se disant, si le marché primaire ne me permet pas d'arriver à trouver les titres qui m'intéressent, je peux me repositionner sur le marché secondaire. Or, on a peut-être un phénomène de cannibalisation entre le marché primaire et le marché secondaire qui peut justifier un engouement moins important sur le marché secondaire. Mais en tout cas, il est important de préciser que le marché secondaire peut servir à combler ce gap sur les personnes qui sont en position acheteuse par rapport au marché primaire. Troisième élément, et c'est un des éléments importants, c'est la gestion de la liquidité. Aujourd'hui, en tant que banque, je pense qu'on a différents canaux de gestion de notre liquidité. Les opérations de pension livrée correspondent à un des canaux. Les prêts et emprunts de titres sont également un autre moyen de gérer la liquidité. La politique monétaire et son cadre opérationnel sont également un moyen de gérer la liquidité. Et donc, l'achat-vente de titres vient se rajouter à cet éventail de possibilités de gestion de notre liquidité, mais ce n'est pas le seul. Et je pense que lorsqu'on regarde effectivement que ce soit la Banque centrale, les opérations qu'on peut faire sur l'interbancaire, aussi bien en pension livrée qu'en opération à blanc, les dispositions que nous offre le plan comptable bancaire et le dispositif prudentiel, notamment sur les prêts emprunts de titres, on a différents moyens de gérer notre liquidité bancaire. L'autre élément, c'est améliorer la rentabilité. Et je pense que c'est là qu'on doit, selon moi, avoir les principales motivations d'aller vers une stratégie autre que le buy and hold. Alors, améliorer la rentabilité et jouer sur l'anticipation sur la direction des taux. Parce que bien sûr, on ne, selon moi, aller sur le marché secondaire, avoir une gestion active, repose sur un principe, en tout cas, et la conséquence d'un principe, c'est quelle réponse on donne lorsqu'on se pose la question, où vont les taux d'intérêt? Et je pense que c'est notamment une des grosses questions, nous, qu'on se pose en interne avant de faire des transactions sur le marché secondaire, c'est que penses-tu des taux d'intérêt? Où est-ce que tu penses que les taux d'intérêt vont aller? Et je pense que c'est seulement la réponse à cette question qui permet de définir sa stratégie qu'on va avoir sur le marché secondaire. Alors, cette gestion active, on a essayé de quantifier ce qu'elle peut représenter d'un point de vue rentabilité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est sur du buy and hold classique et qu'est-ce qu'on peut prétendre avoir lorsqu'on rentre sur une gestion active? Et bien sûr, les quelques exemples que je vais donner sont des exemples et je suis bien conscient que les différents scénarios possibles de mouvement sur les taux d'intérêt sont nombreux. Donc, excusez-moi d'avoir essayé de schématiser en trois cas pratiques très simples. Premier cas, et je prends mon point de départ 1er janvier 2022. Au 1er janvier 2022, je détiens des titres qui offrent un rendement de 6,25. Je les ai achetés au pair, bon 6,25, sur une duration de 5 ans. Au 1er février 2022, je considère que compte tenu du mouvement sur les taux d'intérêt, je peux vendre ces titres à un niveau de rendement de 5,75, qui correspond à un prix de 102,50. Et donc, je vends ces titres. Je les vends, je reste à peu près 40 jours sans réinvestir, et au bout de 40 jours,
je me repositionne sur des titres à 5,50. Lorsqu'on regarde sur une année entière, en tout cas sur cette année 2022, ce mouvement que j'ai eu de détenir des titres pendant un mois, de les vendre en récupérant une plus-value assez importante, de rester 40 jours sans investir et de me repositionner, le taux de sortie global sur 2022 est de 7,45. Et on voit qu'il est bien plus intéressant que les 6,25 que j'avais en début d'année. Alors, j'imagine qu'il y a sûrement beaucoup de trésoriers dans le qui m'écoutent hein, et qui vont se dire, mais pourquoi est-ce que pendant 40 jours, on est resté sans investir? On a rajouté donc un petit élément, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui se passe si pendant ces 40 jours, même si je ne réinvestis pas, je réduis mon refinancement à la Banque centrale ou je place mon argent sur le marché interbancaire. Donc, ce surplus d'intérêt fait passer la rentabilité globale sur l'année à 7,67. Donc, voici un exemple où on a eu une baisse de taux d'intérêt, on a monétisé cette baisse en prenant un profit, on est resté à un certain moment sans forcément être actif sur les titres publics, on s'est repositionné à un taux plus bas, mais globalement sur l'année, on a un taux de sortie plus important. Et je vois, j'anticipe la question, mais l'année d'après, on commence avec un rendement de 5,50. C'est toute la logique de la gestion active, c'est que je pense que on est dans une recherche perpétuelle de rentabilité. Donc, là encore, la position qu'on va avoir à 7,50, on va devoir la faire évoluer. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, sur les trois premières étapes, on est sur le même principe. Sauf que durant la période où on n'a pas investi, les taux sont remontés et on a réussi à se repositionner à nouveau à 6,25. Et là, lorsque je fais le même exercice, on passe sur une profitabilité globale sur l'année, une rentabilité globale sur l'année, qui est aussi entre 8,05 et 8,27. Donc, on peut avoir une stratégie, et qui repose bien sûr sur l'anticipation qu'on a sur les taux d'intérêt, qui nous permet de booster de manière assez importante notre rentabilité. Maintenant, bien sûr, chaque fois qu'on parle de booster la rentabilité, il y a un risque. On est toujours dans un scénario où ça peut se traduire soit par un gain, soit par une perte. Et je regardais le troisième tableau de figure. J'ai acheté mes titres, ou je détiens mes titres à un niveau de rentabilité de 6,25. Les taux d'intérêt montent. Je suis sur un niveau de taux d'intérêt de 6,75 et je n'ai rien fait. Alors, la première réaction naturelle, se dire, sur toute l'année, j'ai un portage qui est de 6,25, qui correspond à mon coupon ou en tout cas au rendement du titre à l'acquisition. Sauf que, à moins que ce titre ne soit dans un portefeuille d'investissement, s'il est en portefeuille de transaction ou s'il est en portefeuille de placement, je suis supposé comptabiliser ma moindre valeur d'attente. Et un titre de 5 ans dont les taux dans l'hypothèse remonte de 50 points de base, je devrais normalement constater une baisse de 2%. Donc, en réalité, sur l'année, je n'ai pas gagné 6,25 comme je pensais sur mon portage. Je dois comptabiliser la moindre latence. Donc, je suis sur une rentabilité d'à peu près 4%. Donc, le seul cas de figure où je n'ai pas à revaloriser mon portefeuille, c'est lorsque je suis dans un portefeuille d'investissement. Or, comme on l'a vu plus tôt, la majorité des titres qui sont détenus par les banques dans l'UMOA sont détenus dans un portefeuille de placement et donc sujet à une réévaluation. Pour moi, ça, c'est un des éléments déterminants qui fait qu'on peut difficilement se dire qu'on a un portefeuille de quelques milliards et on est uniquement dans une stratégie de buy and hold parce qu'on expose en réalité le bilan de la banque et on expose le compte de résultat de cette banque. Là, je vais essayer de finir avec, pour moi, quels sont les éléments déterminants dans une stratégie, dans une gestion active de la dette. Alors, je les ai mis en vrac, parce que je pense que il n'y a pas d'ordre de priorité, mais je pense que ce sont des éléments qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on déroule, en tout cas lorsqu'on gère son portefeuille, et principalement, donc, je sors un peu ici la partie portefeuille d'investissement. Le,
Le premier élément, c'est l'anticipation sur les taux et la politique monétaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire sur le marché secondaire, d'après moi, est le résultat de la... Quelle est la vue qu'on a sur les taux d'intérêt, le niveau de taux d'intérêt, leur évolution et la politique monétaire. Bien sûr, la politique monétaire est en amont, parce que je pense que des changements sur la politique monétaire ont toujours un impact sur le niveau de taux d'intérêt. Et c'est une question qu'on doit se poser. À côté de cette question, c'est l'échéance des titres émis et la capacité à monétiser. Je pense que c'est un point qui a été soulevé un peu plus tôt dans mon exposé. Alors, je reçois un appel, je ne sais pas si... Est-ce que tout le monde m'entend jusqu'à présent? Oui, c'est bon, on va voir en ton temps. Ok, d'accord, c'est parfait. Donc, l'autre point que je voulais soulever, c'est l'échéance des titres émis à la capacité à monétiser. Parce que bien sûr, ce qui est constaté sur le marché primaire et la capacité de monétiser a un impact très important sur aussi bien la stratégie que le comportement que les investisseurs vont avoir sur le marché secondaire. La capacité d'investissement, bien sûr. Comment est-ce que, je pense que de manière générale, les trésoriers vont avoir, en tout cas les gestionnaires de portefeuille de manière large, vont avoir des limites et les encours. C'est-à-dire que comment je me positionne par rapport aux limites qui me sont fixées. Et là encore, le seul moyen pour moi de réinvestir lorsque je me rapproche de mes limites, c'est de me dire je veux faire de la place. Pour faire de la place, il faut que je vende des tickets, que je me repositionne. Donc, c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit. La pente de la courbe de taux. Donc, j'ai parlé de l'anticipation sur les taux, mais je pense qu'au-delà de l'anticipation sur les taux, il y a également le facteur pente. Il y a encore quelques années, une des stratégies qui pouvait être payante sur le marché, c'est que beaucoup d'investisseurs sur le marché secondaire cherchaient systématiquement des titres à moins de 2 ans ou à moins de 3 ans. Et donc, parfois, il fallait acheter ces titres-là lorsqu'ils étaient encore à 2 ans plus 6 mois de la maturité. Et on savait qu'au bout de 6 mois, à cause de la pente de la courbe de taux, on pouvait très vite se retrouver sur un niveau de taux moins important et faire des transactions. Donc, là encore, c'est quelque chose qu'en tant que gestionnaire, il faut avoir à l'esprit. Alors, les sensibilités au taux. Je pense que la gestion de portefeuille nécessite qu'on ait une idée claire sur, je vais appeler ça la durée de vie moyenne, duration, et la sensibilité au taux. En gros, comment on va bouger la valeur de mon portefeuille lorsque les taux d'intérêt vont bouger. Et plus ce montant va être important, donc si j'anticipe que les taux vont baisser, j'aurai plutôt tendance à vouloir me positionner sur des titres très sensibles au taux, pour que c'est des petites variations de taux d'intérêt aient un impact important sur la valorisation de mon portefeuille. Là encore, c'est un élément qu'il faut intégrer dans notre décision d'investir, dans notre stratégie de positionnement sur le marché secondaire. La nature du portefeuille, je ne vais pas revenir dessus, mais je pense que, bien sûr, entre le fait de mettre ces titres dans un portefeuille d'investissement, de transaction et de placement, cela peut avoir un impact assez important sur la stratégie qu'on va avoir sur le marché secondaire. Alors, l'encours de titres libres et la nature des titres. Là aussi, je pense qu'on a vu avec la pandémie des émissions, donc on était sur un dispositif classique de bons assimilables du trésor et d'obligations assimilables du trésor. On a vu différentes émissions, notamment dans le cadre de la relance et de soutien à l'économie, de nouveaux titres qui, selon moi, doivent également être comparés aux anciens. C'est-à-dire que est-ce qu'une obligation de relance doit traiter sur le même niveau de rendement qu'une obligation classique? C'est le type de question qu'il faut se poser. Dans le cadre d'un changement de politique monétaire, cela peut avoir un impact. Donc, il faut pouvoir suivre ce type de il faut être sensible à ce type d'éléments. Alors, quel rôle entre les différents acteurs? Et là, c'est un gros point d'interrogation. Comment trouver la bonne stratégie de distribution des titres? Quel est le rôle des banques, quel est le rôle des SGO, quel est le type d'interaction que nous avons. Je pense que lorsqu'on est entre banques, on considère qu'on est sur de l'interbancaire, mais dès qu'on parle de la clientèle, je pense que le partage d'informations peut être également un élément qui peut faciliter les opérations sur le marché secondaire.
le système d'information pour mettre en place une stratégie autre que du buy and hold. Je pense que la qualité de l'information qu'on doit avoir en temps réel doit permettre de vite faire ses arbitrages et de vite prendre une décision. Et ça, je pense que plus les banques vont vers une gestion active de leur portefeuille, plus il est indispensable de détenir d'avoir un système d'information performant qui permet de disposer de la bonne information et quasiment en temps réel. Et je vais finir avec un élément, pour moi, c'est un des plus importants, c'est que tout ce qu'on peut faire dans notre gestion de portefeuille, qu'il s'agisse de la stratégie de buy and hold ou de la gestion active, va pour moi impacter un élément, c'est la prime de liquidité ou d'illiquidité. Ça veut dire que plus on est conscient qu'on peut traiter son portefeuille sur le marché secondaire, plus on sait qu'on peut rentrer et sortir de position, naturellement, cela a un impact sur la prime de liquidité qu'on va demander pour acheter un titre. En gros, plus le marché secondaire est liquide, ou plus les autres voies, les moyens pour monétiser, en tout cas liquidifier mes positions sont liquides, et moins cette prime de liquidité est importante. Donc, tout ce que je suis en train de dire là, c'est que si ces éléments-là s'imbriquent parfaitement bien, la conséquence naturelle, c'est une baisse des taux constatée sur le marché primaire. Donc, cette gestion, en tout cas l'alternative au buy and hold, ne sont pas seulement des éléments qui viennent impacter le marché secondaire, mais ils sont déterminants dans la fixation des taux d'intérêt sur le marché primaire. Donc voilà les éléments que je voulais présenter. Puisque c'est une introduction au panel, je pense que ces différentes questions vont être discutées avec les panélistes et on sera également heureux de pouvoir répondre aux questions qui sont posées. Je vous remercie. Arnaud, je te repasse la parole. Brillante intervention. En attendant d'avoir Arnaud qui reprend la parole, il y a une question qui a été posée par Tari Duty. La question, quelles sont les banques ou groupes bancaires actifs sur le marché secondaire? C'est la seule question pour le moment qui a été enregistrée. Alors. Je vais donner une réponse. Je pense que pour moi, c'est la question, c'est le résultat du travail qui est fait sur le marché secondaire. C'est-à-dire que je pense que c'est à chacun de nous de trouver sa liste de contreparties. Je pense que je vous donnerai une réponse qui sera différente de ce qu'un autre trésorier va donner. Mais pour moi, c'est le résultat de l'effort qu'on voit de plus en plus, hein, de trésoriers qui développent un réseau, qui développent une liste de contreparties. Et toute la valeur, en tout cas, toute notre valeur, elle peut être là. En tout cas, c'est là qu'elle doit être. C'est d'arriver à trouver les contreparties et surtout de considérer que c'est une relation qu'on essaie de mettre en place. C'est-à-dire que on peut essayer de gagner quelques points de place de plus sur une transaction, hein, mais je pense que le plus important, c'est arriver à créer ce réseau de contreparties avec lesquelles on a une relation de confiance et qui fait qu'on peut les appeler ou elles peuvent nous appeler pour arriver à faire des opérations sur le secondaire. Mais arriver à dire, voici les banques les plus actives sur le marché secondaire, c'est dur de répondre directement à cette question. Monsieur Arnaud, vous avez la main? Arnaud, vous nous entendez? Ok. Monsieur Touré, une question. Comment rendre le marché secondaire plus dynamique et liquide, sachant qu'il n'y a pas à ce stade de carnet d'ordre centralisé? C'est la seconde question.
Mon avis, c'est que pour moi, les titres publics sont des titres qui se traitent principalement en OTC. C'est-à-dire que c'est du gré à gré. Je ne pense pas qu'on développera le marché avec un ordre dans un modèle identique à celui des actions. Je pense que les titres qui transigent d'abord en gré à gré. Et je pense que c'est de faire l'exercice de créer ce réseau de contrepartie. Après, comment le développer? Je pense qu'il y a d'abord la volonté. Je pense que c'est de se dire qu'on construit son portefeuille en se disant que l'objectif recherché, c'est un objectif d'être présent sur le marché secondaire parce qu'on croit qu'il y a de la rentabilité à traiter sur le marché secondaire. Donc c'est une volonté de rentabilité. C'est de l'adosser à une stratégie de distribution auprès de la clientèle. Donc, bien sûr, ce ne sert pas seulement d'aller que vers les banques, mais également aller vers les clients. Et ça, au niveau de la banque, ça peut créer d'autres contraintes. Hein. C'est que par défaut, nous allons chercher de la ressource pour l'activité du bilan et le crédit. Donc, lorsqu'on veut trop développer cette activité secondaire, parfois, c'est nous-mêmes qui nous disons attention, on est banque, donc on a besoin de collecter de la ressource au bilan. Donc, en tant que banque, je pense que c'est un exercice qui n'est pas très simple. Maintenant, bien sûr, je réponds avec ma casquette de banquier. Hein. Je pense que les autres panélistes vont sûrement avoir un avis complètement différent. Mais pour moi, l'élément le plus important, c'est la volonté. C'est la volonté. Ça, le point de départ, c'est la volonté de développer le secondaire. Ok, merci beaucoup, Babaka. Je passe là. Okay. Désolé, j'avais quelques petits soucis de connexion, les aléas d'idiote. Donc, on m'entend? Bien sûr, nous entendons très bien. Ok, parfait, merci beaucoup. J'avais une dernière question, Babaka, avant d'inviter les autres panélistes. Bon, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est la stratégie buy and hold. Donc, pour faire simple, une gestion plutôt très passive du portefeuille. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que cette gestion passive qu'on constate sur notre marché est une réelle stratégie? Je veux un peu challenger le sujet. Est-ce que c'est une réelle stratégie dans notre zone ou c'est la passivité des différents acteurs par manque d'informations, par manque de cadre, comme tu l'as rappelé un peu dans ton exposé, qui fait qu'on constate effectivement ce qu'on pourrait dire stratégie buy and hold? Est-ce qu'on a un choix? Est-ce qu'il y a une réelle alternative, selon toi? L'alternative, elle existe. Aujourd'hui, quand on prend le cadre sur le marché par adjudication, dénouer une transaction sur le marché secondaire par adjudication, c'est quelques secondes. C'est une contrepartie qui initie sur la plateforme Sagittil et l'autre qui est à Paris, ça prend quelques secondes. Donc, d'un point de vue technologique, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. D'un point de vue système d'information, je pense qu'on a eu, d'après moi, on a eu un gros saut qualitatif entre 2014 et aujourd'hui. Je pense que pas mal de banques ont investi sur des systèmes d'information performants qui permettent en temps réel de connaître les positions. Je pense que d'un point de vue rentabilité, on est tous confrontés à un élément. Hein. Je pense que quand je regarde les taux d'intérêt, un Sénégal 5 ans, c'est à peu près entre 150 et 200 points de base de moins sur un an et demi. Donc, est-ce qu'on peut juste avoir un portefeuille et rester sur du buy and hold quand les taux perdent 1,50 à 2%, ou est-ce qu'à un moment, il faut aller chercher de la performance ailleurs? Donc, je pense que le marché est en train de nous rattraper. Il y a un moment où il était possible d'avoir des rendements de sortie assez importants sans avoir été présent sur le marché secondaire. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le choix d'un point de vue rentabilité, d'un point de vue contrainte comptable, parce que lorsqu'on va devoir passer nos dans un contexte de taux bas, donc on n'a pas de moins-value d'attente à passer. Mais si le marché devait se retourner, et si certains indiquent que le marché va se retourner, est-ce qu'il faut juste attendre qu'il se retourne et que quelqu'un vienne nous dire qu'il y a des moins-values d'attente à passer? Donc, il y a aussi un contexte qui fait qu'on pourra plus se permettre de juste avoir son portefeuille et de ne plus le toucher. Mais ça, c'est un mouvement. C'est, d'après moi, ce mouvement a été enclenché. Il faut l'accélérer peut-être, mais moi, je suis de ceux qui pensent que
On a eu un gros saut qualitatif entre 2014 et maintenant. 2014 dans le point de départ de mon exposé. Merci. En attendant d'avoir le retour de M. Diété, on a juste une dernière question. Et là, c'est EKD. Pourquoi un pays de la zone EU moins ne peut pas acheter des titres émis par un autre État, en particulier de l'Union? Alors, il peut. Aujourd'hui, il n'y a aucune, si j'ai bien compris la question, il n'y a aucune limitation pour un investisseur présent dans un pays de l'UMOA à investir sur des titres d'un autre pays de l'UMOA. Donc, si c'était bien la question, dans l'UMOA, on peut acheter librement des titres des 8 États. Donc, il n'y a pas vraiment de frontières, si je peux dire ainsi, au sein de l'UMOA. Hello. On est très bien. C'est bon, on m'entend. Désolé, j'ai un véritable problème de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais poursuivre pour présenter les seconds panélistes. Et tout de suite, je vais faire la transition pour M. Jean-François Brault. OK, on peut demander effectivement aux différents panélistes de bien vouloir se présenter et le temps que M. Diété nous rejoigne. Oui. M. Idrissa Boli. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. D'accord. Moi, c'est Idrissa Boli. Tout d'abord, je voudrais remercier Humour à titre, Adrien et toute son équipe, de m'avoir invité pour ce panel. Et je pense que Arnaud a déjà fait l'introduction, mais pour y revenir, je suis membre fondateur et co-chief investment officer à AD Global Investor, qui est basé à Abu Dhabi. Et le reste de mon parcours, j'ai commencé mon parcours financier aux États-Unis avec l'Université de Dieu. Et après ça, j'ai passé du temps à Londres avant de rejoindre First Abu Dhabi Bank hier à Abu Dhabi. Et ainsi qu'on a créé AD Global Investor, qui est une compagnie spécialisée dans les bonds des pays émergents et des monnaies. Donc, ça fait 3 ans qu'on évolue dans le milieu. Et je pense que l'opportunité pour conquérir ou pour investir dans le marché africain commence à être très attractif. Et c'est la raison pour laquelle dernièrement, j'étais à Dakar où j'ai rencontré Babacar. Et je pense que ce panel nous donne l'opportunité également de parler un peu plus du marché africain. Merci. Merci beaucoup, Idrissa. Donc, on va demander aussi à Jean-François de se présenter. Merci, Arnaud. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-François Brault, directeur général de Assoaga, donc depuis 2015. Assoaga est la première institution spécialisée dans la gestion d'actifs pour la zone UMOA. Et nous avons à l'heure actuelle un portefeuille d'à peu près 100 milliards de francs CFA investis à plus de 80% dans des obligations, et notamment les obligations du marché des titres publics. Donc aujourd'hui, dans ce panel, je pense que nous apportons un peu la vision du gestionnaire de portefeuille quant à la gestion, quant à la stratégie d'investissement, etc. Alors, personnellement, j'ai été précédemment directeur général d'EcoBank Asset Management de 2010 à 2014. Et avant cela, différentes positions aussi dans la finance, aussi bien à Londres qu'à Paris. Voilà pour présenter brièvement Assoaga et ma personne. Merci, Arnaud. Merci beaucoup, Jean-François. Je te permets de garder la parole et entrer en même temps dans le vif de ce sujet. Pour te demander, selon toi, aujourd'hui, on sent qu'on a un marché secondaire, en
tout cas de notre point de vue, hein, qui n'est pas assez dynamique, et comme Babacar a pu le montrer, malgré quand même des chiffres qui peuvent être assez satisfaisants, on est encore très loin dans le dynamisme de ce marché secondaire-là. Donc, selon toi, quelle peut être la synergie entre des gestionnaires de portefeuille du style la structure que tu diriges et les banques pour pouvoir effectivement booster ce marché et puis sortir de cette stratégie d'attentiste qui est le buy and hold? Merci pour cette question, Arnaud. J'aimerais avant toute chose féliciter Babacar parce qu'il s'agit d'une question très technique et sa présentation introductive a été vraiment très claire. Je pense que quand le problème et l'état des lieux est bien fait, c'est très facile de trouver des solutions. Donc déjà, féliciter Babacar pour cette présentation qui était vraiment claire et très compréhensible. Et c'est l'occasion aussi de féliciter l'agence UM Oatit qui met à disposition ces données. Parce qu'il faut dire que justement, sur notre marché, c'est encore très récent qu'on dispose maintenant de toutes les statistiques sur notamment les marchés obligataires, etc. Et c'est vraiment une initiative qui est à saluer de la part du MOATIT qui nous met à disposition ces données qui permettent d'ailleurs aujourd'hui à Babacar de pouvoir faire une présentation et d'avoir exactement les chiffres d'émission, les taux, etc. Il faut dire qu'il y a encore peu de temps, on n'avait pas encore de courbe de taux disponible sur le marché obligataire. Donc, c'était très dur de pouvoir non seulement parler de sa stratégie, même mettre en place une stratégie passive. Et aujourd'hui, comme on le voit, nous sommes dans un changement complet de paradigme du marché. Alors, pour revenir à la question, je dirais que, comme il a été dit en introduction, notamment par M. Adrien Diouf, la gestion dynamique de nos portefeuilles devient un impératif parce que nous sommes dans un nouveau paradigme de marché. La présentation de Babacar était tellement bien faite qu'on a pu voir aujourd'hui que non seulement les taux étaient en baisse, que de nouvelles maturités se développaient. On a vu les maturités à 10 ans, à 15 ans et bientôt à 20 ans, avec comme corollaire une véritable baisse des taux longs, contrairement à ce qu'on peut voir sur une courbe des taux, je dirais, pour un marché normal. Donc, dans ce contexte, la gestion dynamique devient impérative. Il va falloir, pour les gestionnaires de portefeuille, pouvoir transiger sur leur portefeuille, notamment sur les titres dont ils disposent, pour pouvoir générer des rentabilités telles que celles qui ont été présentées par Babacar tout à l'heure. C'était très intéressant d'avoir cette simulation-là parce qu'on peut voir que finalement, au travers de transactions en vendant, en cédant certains titres, on est tout de même capable de générer des taux profitables. Et c'est un peu l'exemple de la Swaga. Il faut savoir qu'à notre niveau, nous mettons en place une stratégie de gestion qui se rapproche un peu du buy and maintain, dans la mesure où nous définissons un niveau de rentabilité donné qui est fixe, qui est à 6% pour nos fonds obligataires, et nous essayons donc de battre cet objectif de rendement fixe. Il faut savoir que sur les fonds obligataires de la Swaga, depuis leur création, on a pu générer des rendements nets annuels de plus de 7%. Et ça corrobore un peu avec toute l'explication que Babacar a donnée. Il a déjà présenté le gros de notre stratégie directement sur sa dernière slide. Donc, merci Babacar pour ça. Donc, il est possible aujourd'hui de générer de bonnes performances et de la bonne rentabilité avec plus de dynamisme dans la gestion du portefeuille. Et vu le contexte actuel, on est obligé justement de pouvoir transiger sur nos titres. Alors, par contre, là où je ne partage pas forcément le point de vue de Babacar, c'est dans la création d'une synergie, notamment entre les gestionnaires de portefeuille et les banques. Comme on a pu le voir dans sa présentation, les participants sur le marché secondaire sont quasiment que des banques. Alors qu'aujourd'hui, nous avons quand même un marché de la gestion d'actifs qui se développe et il faudrait pouvoir ouvrir justement la plateforme de transactions de gré à gré aux sociétés de gestion de portefeuille et notamment aussi au département de gestion de portefeuille des fonds de pension et des compagnies d'assurance, de telle sorte à pouvoir mettre en place les conditions pour plus de liquidités et pour véritablement développer un marché secondaire. Comme il a été précisé tout à l'heure, l'information, il y a une vraie asymétrie d'information entre les acteurs du marché et je pense que cette solution concrète-là d'ouvrir cette plateforme, de la rendre accessible, de partager l'information, de permettre à tous les intervenants, justement, comme on l'a présenté un peu tout à l'heure, M. Nkiri, de poser leurs ordres d'achat et de vente, ça favoriserait déjà plus facilement les échanges entre acteurs
Et donc, ça donnerait déjà un peu plus d'optimisation à la liquidité actuelle sur le marché secondaire. Ça, c'est déjà un premier point. Je vais m'arrêter là pour l'instant et puis redonner la parole à Arnaud pour qu'on puisse peut-être poser d'autres questions et aller sur d'autres points ou apporter des précisions supplémentaires si nécessaire. Merci Arnaud. Merci beaucoup Jean-François pour ces éclairages. Je m'en vais rapidement poser une question à notre cher ami Grissa pour avoir un peu son expérience à l'international. Grissa, tu peux nous partager un peu ton point de vue sur la question, mais sur les marchés où tu évolues en ce moment et quelle peut être effectivement la transplantation par rapport au cadre réglementaire actuel de la zone UEMOA qu'on pourrait partager. Merci Arnaud. Je pense que pour définir le concept de buy and hold, je vais partir du point de deux points. Le premier point, c'est le portefeuille buy and hold. À notre niveau, par exemple, comme Jean-François vient de le dire, l'intervention sur le marché financier des compagnies d'assurance change un peu la donne. Parce que quand on parle du buy and hold, il faut d'abord penser qu'il peut y avoir un portefeuille buy and hold. Ça veut dire que l'investisseur vient, nous qui sommes les managers, ils disent effectivement, je veux un portefeuille buy and hold, ça veut dire que quand vous l'achetez, le travail de base se fait à l'achat ou à la construction du portfolio. Et après cela, il n'y a plus d'intervention, il n'y a pas de maintenance et c'est jusqu'à la maturité des bons que nous avons dans le portfolio. Donc à ce niveau, je me dis que les différents acteurs, dépendant de qui intervient sur le marché, il y a une très grande différence. Donc ça, c'est les portefeuilles que nous appelons buy and hold. Effectivement, le problème, comme Babacar, merci pour ta présentation, l'a fait savoir, vous avez le portefeuille d'investissement et le portefeuille de placement, mais avec le buy and hold, il faut se rendre compte également que l'investisseur est plus dans un enjeu de préservation de capital. Donc, dans ce sens, la liquidité, il n'y a pas une revalorisation des bons, ce qui est très intéressant pour lui. Et le seul problème à ce niveau, très souvent au niveau du risque et au niveau du directeur financier de la banque peut-être, pour savoir quel est le taux qu'il voudrait appliquer. Et au niveau des investisseurs, le problème le plus important, c'est le système de gestion. Par système de gestion, je veux parler du fait qu'il ne doit pas y avoir d'erreur de vente d'un bon à partir de ce portefeuille et qu'également le système de comptabilité est mis à jour. Ça veut dire qu'il y a une comptabilité spéciale pour les portefeuilles de buy and hold. Ça, c'est la première option. La deuxième option de buy and hold, et je partage l'avis de mes copanélistes, Babacar et Jean-François, je pense que c'est une stratégie qu'à notre niveau ici, nous n'avons pas vraiment le buy and hold comme une stratégie à poursuivre et non plus un buy and maintain, mais c'est plutôt une stratégie opportunistique dans le sens où il y a des moments, et encore Babacar l'a mis dans sa dernière projection, c'est la liquidité. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui a fait un buy and hold pendant le temps du COVID, l'année passée, en 2020, plus précisément en mars-avril, je me dis que ce n'est pas par choix, c'était une nécessité, parce que le marché n'avait aucune vente ou aucun achat. Donc, au niveau international, je pense qu'on est un peu plus avancé que ce qu'on aperçoit en Afrique pour le moment. Mais également, c'est dû au fait que nous avons plusieurs acteurs qui participent à l'investissement. Et en plus de ça, il y a une définition du risque, ce qui veut dire que acheter un bon, par exemple, qui a été émis par Nestlé est différent d'un bon qui a été émis par le Togo ou le Burkina. Donc, ça veut dire que quand on construit un portfolio ou un portefeuille, on tient compte des différentes contraintes que l'investisseur nous donne. Donc, à notre niveau, c'est un peu plus une discussion, je veux dire un chemin emprunté par l'investisseur qui nous approche et qui a déjà son, je dirais, un peu plus son allocation au niveau du portefeuille de bons. Et ça encore, c'est très important dans la notion de diversification parce que très souvent, quand quelqu'un investit dans un portefeuille de bons, ce n'est pas le seul investissement qu'il a sur son portefeuille. Parce que ça, c'est l'investissement où il n'espère pas faire 10 ou 20 % de revenus en une année ou trois ans. Mais c'est un portefeuille sur lequel il se rabat quand il y a des problèmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la défense au niveau des bons. Mais s'il fait une allocation de 20 % sur les bons et il se retourne pour regarder en fait comment avoir plus de revenus sur les stocks ou les real estate, les bâtiments. Et ça, c'est quelque chose qu'il ira jouer et il aura fait ses différents investissements. Mais nous, à notre niveau, la première question très souvent qu'on a quand il y a des problèmes,
c'est la préservation du capital. Et après ça, maintenant, je pense que mes panélistes pourront ajouter leur point de vue. Quand vous avez un portefeuille de bons dans votre allocation, ce n'est pas le premier auquel vous vous référez quand vous parlez de vos revenus. Très souvent, c'est le dernier, mais en temps de, en mauvais temps, vous allez voir que c'est le premier portefeuille qu'on regarde parce qu'on se dit que c'est le seul portefeuille qui ne doit pas nous amener une très grande perte. Donc, la notion de défense, la notion de base d'investir dans les bons pour le moment et au niveau des bons de gouvernement reste toujours une préservation de capital. Et on espère que le développement, encore chapeau à Hugo à titre pour le travail accompli et, le, et ce qui reste à faire, mais également la notion de coopération avec le, l'agence de régulation. Et ça, c'est quelque chose que Arnaud vous avait mentionné. Et je pense qu'ils ont un double chapeau. Ils veulent développer le marché, mais également se rassurer que les risques que nous prenons sont à l'avantage des investisseurs. Et nous, ici à Abu Dhabi, on est régulé par l'agence de régulation de Global Market, ce qui fait qu'il y a des règles assez strictes. Et très souvent, et même les investisseurs, que ce soit les assureurs, par exemple, ou les banques, il y a une certaine démarcation. Et je pense que Jean-François est de cet avis. C'est la démarcation entre le travail de banquier et le travail d'investisseur qui doit être assez clair et qui permet à chacun de prendre le risque nécessaire et espérer le revenu en fonction du risque que nous prendrons. Merci. Je m'arrête là pour redonner la parole à Arnaud et je me dis que Babacar et Jean-François ont différents points à ajouter. Ok, merci beaucoup Idrissa. Je fais un pont et cette fois-ci, encore une fois, je m'adresse à Jean-François. Aujourd'hui, en termes de stratégie hein, et d'alternatives possibles, qui est le sujet de notre rencontre du jour, selon vous, gestionnaires d'actifs, quels sont les moyens pour développer le marché secondaire et ne pas vraiment constater cette stratégie de buy and hold que nous constatons aujourd'hui? Merci Arnaud. Mais je pense que comme on l'a dit, hein, avec, aussi bien avec Babacar qu'avec Idrissa, il faut créer les conditions d'une meilleure information des acteurs. C'est-à-dire que déjà, il faut pouvoir partager l'information. Comme on l'a dit de manière claire, Babacar l'a un peu expliqué, aujourd'hui, chaque gestionnaire ou chaque trésorier entretient son réseau personnel de relations qui lui permettent d'avoir l'information sur des titres éventuellement à acheter ou à vendre. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour créer cette synergie-là, il faut quand même, et je pense que la plateforme, je le redis encore, la plateforme Sagetif se prête à cet exercice-là. Il faudrait pouvoir la rendre accessible à plus d'acteurs, notamment des acteurs qui collectent aujourd'hui des fonds et qui peuvent justement placer des ordres d'achat ou de vente sur des titres existants et créer les conditions d'un marché secondaire. Parce que l'asymétrie d'information est le premier problème que nous avons sur ce marché. Donc ça, c'est une nécessité. Et puis, comme on l'a dit, les stratégies s'adaptent toujours au contexte du marché. C'est-à-dire qu'on ne met pas de stratégie, et généralement, c'est des combinaisons de stratégies. On peut avoir du buy and hold, du buy and maintain, et toujours avec la possibilité d'avoir une poche pour créer des investissements un peu plus dynamiques et générer des plus-values. Donc, à chaque fois, la stratégie s'adapte vraiment, véritablement, au contexte de marché. Et dans le contexte de marché actuel, qui est quand même inédit, il faut le préciser, parce que déjà, comme on l'a dit, des nouvelles maturités apparaissent. Donc, finalement, on a des expositions qui vont être un peu plus longues et le risque devient beaucoup plus important. Il faut savoir qu'aussi au niveau de la réglementation, exactement comme ça se fait à Abu Dhabi, nous avons une nouvelle réglementation aujourd'hui sur le marché, notamment pour la gestion d'actifs, et de nouvelles règles en matière de gestion de liquidité, notamment en matière de risque de contrepartie, vont pousser les gestionnaires à justement avoir des alternatives sur le marché secondaire pour céder leurs titres. Aujourd'hui, en tout cas, rester dans une stratégie de buy and hold, comme vous le savez, c'est une stratégie, c'est la plus simple à mettre en œuvre lorsqu'il s'agit notamment d'investissements obligataires. Cette stratégie-là est recherchée notamment quand on est dans une période de relative stabilité sur les taux d'intérêt. Là, ce n'est plus le cas. On n'a plus cette stabilité-là. On est au contraire dans un mouvement baissier assez fort. Généralement, comme l'a expliqué tout à l'heure Babacar dans ses simulations, ceux qui ont acquis des titres avec des coupons importants au préalable vont aujourd'hui se trouver dans des situations d'arbitrage pour générer des plus-values. Il faudrait donc pouvoir leur mettre en place le contexte, le cadre, la plateforme pour qu'ils puissent positionner leurs ordres et justement
informer les autres acteurs du marché qu'il y a des titres disponibles à la vente ou à l'achat, etc. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un préalable. OK. Merci beaucoup. Tout de suite, je vais encore faire finir Babacar. Babacar, selon toi, aujourd'hui, est-ce qu'un des freins au développement de notre marché secondaire n'est pas, là je laisse le cours à mon imagination, n'est pas le cloisonnement de nos deux marchés? J'entends pas deux marchés, le marché financier régional et le marché monétaire. Avant de répondre, juste peut-être revenir rapidement sur un point. Je pense que pour moi, le buy and hold doit être une des stratégies présentes sur notre marché. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Je pense que l'idée, c'est de dire que pour développer un marché, il faut avoir différents acteurs qui ont différentes stratégies. Et ce n'est que comme ça qu'on arrive à trouver un prix d'équilibre. Et lorsqu'on a un marché où tout le monde a la même stratégie, on se retrouve avec l'image du carnet d'ordre. Hein. Quand tout le monde est acheteur, il n'y a plus aucune offre. Quand tout le monde est vendeur, il n'y a plus aucun bid. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire comment faire pour avoir différents acteurs qui ont différentes stratégies et que ces différentes stratégies permettent plus facilement d'arriver sur un prix d'équilibre. Maintenant, est-ce que le cloisonnement de notre marché peut être un frein au marché secondaire? Oui. Je pense qu'on ne peut pas répondre, on peut pas trouver d'autres réponses que de dire oui. Je pense que le fait qu'il y ait… Alors, le problème n'est pas qu'il y ait deux méthodes d'émission de titres. C'est-à-dire que d'avoir des syndications et d'avoir des adjudications, c'est une très bonne chose. Peut-être que le problème, c'est de ne pas avoir une fongibilité parfaite entre les titres du marché monétaire et du marché financier. De ne pas avoir une parfaite transférabilité. Et quand je dis transférabilité, et là encore, je le dis d'un point de vue banquier, hein, c'est-à-dire que le temps qu'il me faut, par exemple, pour disposer d'un titre du marché financier au guichet de refinancement de la Banque centrale est beaucoup trop long. Nos arbitrages sont des arbitrages journaliers, donc il faut que ça aille plus vite. Ensuite, le fait d'avoir des structures de coûts différentes entre le marché monétaire et le marché financier est également un frein. Et c'est encore plus un frein lorsque, par exemple, vous êtes BTC. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, banque, nous avons opté pour l'agrément de banque teneur de compte, mais telle que la réglementation est faite aujourd'hui, mon agrément en banque teneur de compte vient rajouter un coût supplémentaire dû au titre du marché monétaire que je détiens. Ça veut dire que mon agrément sur le marché financier me crée un coût supplémentaire sur le marché monétaire. Donc, il y a encore des ce que j'appelle des imperfections. Je pense qu'il nous faut lever. Le marché des pensions livrées, par exemple, entre banques, hein, d'après moi, est dynamique. Il se passe beaucoup de choses sur le marché interbancaire. Mais si on veut, par exemple, rajouter dans ce marché du repo les titres du marché financier, là encore, le process est différent, il est un peu plus long. Donc, je pense qu'on devrait même plus se poser la question de savoir est-ce qu'un titre a été émis sur le monétaire ou le marché financier. À partir du moment où il est émis, sa vie devrait être exactement la même qu'on soit sur le monétaire ou le financier. Donc voilà, il y a des choses à améliorer. Par contre, est-ce que c'est ça le frein au développement du marché? Et comme on a dit, hein, les encours sur le marché des titres publics, aujourd'hui, rien que sur le marché monétaire, on est à plus de 10 000 milliards. Donc, il y a la place pour faire des choses. C'est-à-dire qu'on a 10 000 milliards d'encours, on a 5 000 milliards de refinancement BCAO. C'est un calcul basique que je fais, hein, mais 50% des titres qui sont émis sur le marché monétaire sont libres. Il faut bien sûr exclure ceux qui sont détenus dans des portefeuilles d'investissement et qui ne sont pas accessibles sur le marché secondaire. Mais je pense qu'il reste un volant de titres libres qui peuvent être utilisés sur le marché secondaire. Ouais. OK, merci beaucoup. Cette question est pour Idrissa. On sait que jusqu'à preuve du contraire, encore dans notre zone, c'est-à-dire au sud du Sahara, on a encore les meilleurs rendements sur ce type d'instrument. D'un point de vue de l'investisseur international, comment on peut envisager une possibilité effectivement dans le cadre du sujet qui nous réunit aujourd'hui, pour toi qui es au niveau de Abu Dhabi, et qui pourrait avoir une synergie avec un banquier ou une société de gestion pour faire entrer ces investisseurs internationaux dans le cadre d'une opération dans notre zone?
Merci Arnaud. Pour moi, je pense qu'on est déjà sur la bonne voie avec le travail abattu par une loi à titre GPMF. Je pense que, comme Babacar et Jean-François le disent, c'est ouvrir un peu le monde de l'investissement à d'autres acteurs. Même quand on parle du buy and hold, je prendrai un exemple très simple. Si on regarde les portefeuilles que nous gérons actuellement, et je regarde par exemple le portefeuille sur les monnaies, sur la devise en dollars des bons internationaux, et on me demande par exemple quelle est la rotation, le taux de rotation du portefeuille, qui est à peu près ce qui permet de définir souvent pour les investisseurs si quelqu'un fait du buy and hold ou bien s'il fait de la gestion active. Et très souvent, le taux doit être au-delà de 30%. Et à ce niveau, on se dira, oui, effectivement, il fait une gestion active. Je vois Babacar qui va commencer à sourire parce que je n'ai pas parlé du risque ou quoi que ce soit. Mais de façon simple, on parle du taux de rotation pour pouvoir apprécier le buy and hold. Et quand on le regarde, par exemple, nous, à notre niveau, on est à 21%. Et donc, automatiquement, on me dira, oui, votre portefeuille, il est un peu passif. Et si on regarde, est-ce qu'on a des investissements en Afrique? Je dirais que pour le moment, oui, on a des investissements en Afrique du Sud, au Ghana, et on était en Zambie, également l'Égypte. Mais cela ne définit pas en réalité ce qu'on fait au niveau du portefeuille, parce que ça veut dire qu'on va donner le taux de rotation en ne tenant pas compte en fonction des futurs, qui est l'investissement esthétique qu'on peut faire et sans toucher notre portefeuille. Ça, c'est déjà assez important. Et l'avantage que je dirais qu'on a au niveau de l'espace UEMOA, c'est le fait que la monnaie est ancrée au niveau de l'euro. Ici, au niveau d'Abu Dhabi, je sais que tout le monde est au courant que la monnaie également pègue au niveau du dollar. Donc, ça veut dire que c'est à peu près une gestion parallèle. C'est pouvoir souvent investir et être capable de gérer le risque. Et compte tenu des restrictions, parce que je me dis également qu'il y a un peu beaucoup de red tape, de restrictions quand il s'agit des mouvements d'investissement. Très souvent, les investisseurs, si je regarde l'Afrique et que je compare la zone UEMOA au niveau du Botswana ou de l'Afrique du Sud, je pense qu'on a un peu trop de demandes ou de contraintes pour pouvoir venir et demander, par exemple, on veut construire un portefeuille. Quelles sont les banques qui seront prêtes à investir pour pouvoir revendre ça à leurs clients, par exemple? Je pense que le problème et les conditions demandées sont un peu trop longues. Par contre, si je prends le contre-pied et que je regarde au niveau du Botswana ou de l'Afrique du Sud, on se rend compte que le marché est ouvert. Et je suis d'accord avec vous si vous me dites qu'on est à un niveau naissant, donc il faut d'abord protéger les investisseurs et ensuite penser à ouvrir et laisser les loups y entrer. Mais le point principal, et je me dis que nous tous, nous regardons le taux de revenu, mais très souvent le développement, on est d'accord que quand on regarde le taux de revenu également, ce n'est jamais le taux absolu. Par taux absolu, je prendrai un exemple aussi simple, mais même s'il s'applique aux actions. Si quelqu'un vous dit qu'il investissait dans le monde, dans les stocks au niveau de la Mongolie et il a fait 80% de revenus l'année passée, je me suis dit, tout le monde dira, bien joué. Mais si on va et on regarde le marché, on se rend compte que le marché a apprécié à 100%. C'est-à-dire que ce manager n'a vraiment pas fait grand-chose. Donc, également avoir une référence pour permettre aux gens de garantir que les investisseurs auront eu le gain de cause est assez important. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous, au niveau de Eddie Global Investor, on a regardé le marché, on est sur le marché africain, l'index a été créé. Et je sais que UEMOA est en train de travailler pour que les pays, les bons émis par les pays de l'UEMOA font partie de l'index. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est déjà un premier pas et qui va déjà garantir quand même le marché secondaire dont Babacar et Jean-François parlaient tout à l'heure. C'est assez important d'être là-bas, ce qui signifie qu'on aura les gestionnaires actifs et les gestionnaires passifs qui seront obligés également de travailler, pas d'une manière. Pas avec une synergie, mais ça va forcer tout le monde à avoir un benchmark, à regarder et à ne pas simplement faire allusion au return absolu, comme on le voit très souvent au début de certains marchés. Donc, à ce niveau, je pense que pour répondre à ta question, je pense qu'on est sur la bonne voie et tous les participants, ouvrir le champ de participation aux différents investisseurs, mais également faciliter l'entrée et la sortie au niveau des investisseurs et des managers pour permettre à tout un chacun de pouvoir jouer son rôle.
et je pense que ça serait bénéfique pour tous les autres marchés financiers également. Merci. OK, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais revenir encore sur Jean-François. Aujourd'hui, hein, selon toi, par rapport à ton expérience sur notre marché, j'ai envie de me poser la question de savoir pourquoi est-ce que par moment, et ça on le constate et c'est quand même dommage, les banques et les SGI se marchent dessus. C'est d'abord le premier point, c'était un volet de la question que j'avais posée à Babacar par rapport au cloisonnement du marché. Mais derrière, on se rend compte effectivement qu'on se marche sur les pieds sur X ou Y les transactions parce qu'on va se battre sur les mêmes clients qui sont soit les assureurs, les institutions de retraite complémentaire ou de retraite tout court. Et ce qui fait que derrière, pour qu'il y ait cette véritable synergie entre banque et SGI, il y a toujours des obstacles. À moins qu'effectivement la SGI appartienne à un groupe bancaire, et là c'est plus simple parce qu'elle défend un peu les intérêts de son groupe, donc des banques sœurs. Mais quand elle n'appartient pas à un groupe bancaire, on le constate. Pourquoi aujourd'hui ce constat il est fait? D'abord, c'est est-ce que tu partages ce constat avec moi? Si oui, pourquoi? Et quelles peuvent être effectivement les pistes de solution? Merci Arnaud. Alors, si je comprends bien, donc la question concernait surtout les obstacles qu'il peut y avoir entre banque et SGI, tout ce qui concerne le Exactement. crédit. Tout Donc, à fait. là, j'avoue qu'effectivement, pour moi, je ne saurais pas dire s'il y a véritablement des obstacles à l'heure actuelle, mais c'est sûr que le marché s'adresse au même type de clients. Je pense que l'on soit aussi bien dans une banque, dans une SGI ou dans une SGO, comme c'est le cas pour la SOAGA, on s'adresse plus ou moins tous aux mêmes clients dans la sous-région. Et c'est tout l'intérêt justement d'avoir une plateforme qui est accessible à tous les acteurs, parce que comme on a pu l'expliquer depuis tout à l'heure, chaque acteur a une stratégie ou a une vision différente et ne le fait pas pour les mêmes besoins. Babacar a pu montrer tout à l'heure au travers de sa slide qui était assez intéressante, quels étaient les objectifs pour la banque. Les objectifs pour la banque ne sont pas les mêmes que les objectifs décrits par Idrissa pour la gestion d'un portefeuille d'investissement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment créer les conditions pour que ces acteurs-là puissent se parler, puissent échanger les informations qu'ils détiennent pour l'instant à titre privé. Donc rendre cette information-là beaucoup plus publique et justement participer à la création d'un marché efficient. Ce marché efficient-là permettrait justement de limiter tous ces obstacles qu'on peut voir aujourd'hui. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question ou si tu veux que j'élabore un peu plus. Non, 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 c'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Tout comme ça, on a encore les jours à venir devant nous pour poursuivre ces échanges comme on le fait d'habitude. Exactement. Je pense que comme on a dit, hein, vraiment, il faut pour résumer aussi s'adapter au contexte qu'on est en train de vivre actuellement, qui, je tiens à le répéter, est encore inédit. Je ne sais pas si les autres panélistes partagent mon point de vue, mais en 10 ans d'expérience sur ce marché-là, je suis vraiment étonné de voir la direction que prend la courbe des taux, sachant que maintenant nous avons les outils pour la créer. On parlait tout à l'heure de stratégie buy and hold. Sous d'autres latitudes, la stratégie buy and hold se base sur des indices de référence que nous n'avons pas forcément dans notre marché actuel. Donc, par exemple, quand on regarde au niveau des actions, nous n'avons que deux indices, BRVM10 et BRVM Composite. S'il fallait répliquer ces indices-là, je pense que techniquement, ça pourrait être difficile. De la même manière sur le marché obligataire, c'est que depuis 2, 3 ans qu'on arrive à construire une courbe de taux, qu'on dispose de suffisamment d'émissions pour avoir quand même un peu de recul. Donc, je pense qu'on prend la bonne direction et que de toute façon, le contexte nous forcera à travailler avec encore plus de symbiose pour pouvoir pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Par exemple, en termes de gestion de portefeuille, il est important pour nous d'avoir des titres qui sont plus ou moins liquides, sinon on ne pourra pas faire face éventuellement aux demandes de rachat de nos clients. Donc, il est important que dans cette dynamique, on puisse travailler ensemble. Et pour moi, cette rencontre-là est l'occasion de le faire. Je pense qu'on gardera des conclusions qui seront très utiles pour l'évolution du marché après cette rencontre. Voilà, Arnaud, pour Ok, résumer. merci beaucoup, merci cher panéliste. Voilà, ainsi prend fin cet échange entre nous concernant le premier sujet,
qui est la stratégie buy and hold, quelles sont les alternatives. Merci pour vos interventions respectives. Et maintenant, j'aimerais ouvrir la série de questions. Je vois quelques questions déjà dans le chat. Bon, il y a une question pour Idrissa. Bon, après, bon, chacun des panélistes pourra apporter un peu sa touche. C'est une question de JLK. Pourquoi un pays de la zone UEMOA ne peut acheter des titres émis par un autre État, en particulier de l'Union? J'avoue que je ne comprends pas. Je pense que Babacar a répondu à la question. Il n'y a plus de contraintes. Ah d'accord, ok. Ok, excusez-moi. Alors, comme j'avais des soucis de connexion, j'ai raté un certain nombre de points au début. Donc, s'il y a de nouvelles questions, oui, chers participants. Oui, M. Jeté, merci encore une fois donc, pour vos interventions. Effectivement, il y a des questions, donc tout à fait un peu en haut. Cette stratégie de buy and hold n'est-elle pas une pure et simple stratégie de l'allocation flux futur utilisé et plébiscité principalement par les compagnies d'assurance ou des fonds de pension? Voilà une des questions qui ont été posées. D'accord, je peux commencer. Okay. Hein, je pense que ça va car. Oui, vas-y. Exactement. Je pense que la réponse est oui et non. Oui, dans le sens où je parlais de l'allocation des différents portefeuilles que la pension ou bien le fonds d'investissement aura. Par exemple, si ils ont des actions, ils ont un portefeuille d'actions, ils ont un portefeuille de bâtiments, ils ont un portefeuille de bons. Dans le portefeuille de bons, il peut avoir deux catégories. La catégorie buy and hold, qui sera principalement d'acheter, de garder ces bons-là jusqu'à maturité. Et également la partie investissement, où par exemple, la différence sera le pourcentage qu'on a au niveau de la catégorie d'investissement et la catégorie spéculative. Donc, dans ce sens-là, il y aura un premier portefeuille qui aura pour objectif la préservation du capital et la clairvoyance dans le revenu dans les années à venir. Finalement, le deuxième portefeuille de bons sera le fonds où on aura un objectif de revenu majeur. Et dans ce cas, par exemple, on peut, comme je le disais, il y aura la catégorie d'investissement et la catégorie spéculative. Ça peut être 80% en catégorie d'investissement pour le buy and hold et simplement 20-15% pour la catégorie spéculative. Et dans l'autre portefeuille de bons, on aura par exemple 60-75% dans la catégorie spéculative et les 25% dans la catégorie d'investissement. Également, il y aura encore d'autres contraintes que la pension ou le fonds d'investissement peut imposer, qui peut être par exemple 80% doivent être au niveau des bons émis par des pays souverains et 80% dans des bons émis par des compagnies. Et dans l'exemple d'Abu Dhabi, on a ce qu'on appelle également les quasi-gouvernements. Ça veut dire que la compagnie est détenue à 50 ou plus de 50% par le gouvernement. Donc ça peut former une autre catégorie. Et également, il y a également une troisième catégorie, ceux qui refusent d'avoir une notation financière. C'est le cas de Dubaï, par exemple. Si vous regardez la notation financière, Dubaï n'a pas de notation financière et il y a certaines compagnies également qui refusent la notation financière. Donc ça peut avoir une allocation de 5% pour dire que effectivement avec le buy and hold, c'est un peu la préservation du capital et la prévoyance de la liquidité des revenus dans le futur. Mais ce n'est pas nécessairement 100% des revenus de la compagnie. Et Babacar également, pour terminer, a parlé de la duration. Très souvent, quand on parle d'une compagnie d'assurance, il y a le portefeuille casualty, il y a le portefeuille vie, il y a le portefeuille non-vie. Et pour le portefeuille vie, par exemple, on peut se rendre compte que la duration peut être souvent autour de 1. Et pour le portefeuille non-vie, on peut se rendre compte qu'il peut aller de 4 à 5, 6, 7 cette année. Donc, c'est toujours un peu plus important. C'est toujours plus important pour le manager d'avoir une discussion avec l'investisseur pour apprendre à connaître ses objectifs et ses rendements, c'est les différents points et les contraintes qu'ils ont dans le futur. Et là, c'est un travail d'équipe. Je pense que Jean-François a relevé ce point également.
plus on a un dialogue assez franc avec l'investisseur, plus on peut lui apporter un portefeuille assez conséquent pour faire face aux différents aléas ou aux différents objectifs qu'il essaie d'atteindre. Merci. OK, merci beaucoup. Un autre panéliste peut rajouter sur ce point. Babacar? Non, je pense que le propos d'Idrissa est très clair. Hein. Je pense que pour moi, c'est deux choses. La première, c'est nous tous hein, qui avons un portefeuille à gérer. Je pense que nous faisons deux choses. Nous faisons l'allocation de ressources sur la base de contraintes que nous avons, sur la nature des ressources, la qualité des ressources, la durée des ressources. Et nous faisons ce travail d'allocation de ressources par rapport à des règles qu'on s'est fixées. Et ces règles-là, elles tournent autour de deux concepts, le risque et la rentabilité. Et chacun trouve son équilibre par rapport à ces deux aspects-là. Comment j'alloue mes ressources et comment je le fais en connaissant mes contraintes de risque-reward. Voilà, je pense que Idrissa a très, très bien décrit tout ça. OK, d'accord. J'ai une question, tu gardes la parole en même temps. On dit qu'un marché parfait n'offre pas d'opportunités. Ce sont ces déséquilibres ou les imperfections du marché qui offrent des opportunités d'investissement. Alors, la présence d'un marché par syndication, comme on en parlait tout à l'heure, ou par adjudication, n'offre-t-elle pas plutôt des opportunités pour les investisseurs? Est-ce que ces pistes-là sont-elles exploitées? D'accord? Alors, je pense que oui. Je pense que un marché, si je devais le donner en termes de spread, un marché qui n'est pas arbitré, qui n'est pas très liquide, c'est un marché où normalement les marges, le spread qu'on se prend entre un prix d'achat et un prix de vente est élevé. Et c'est un marché où je pense que les personnes qui font ce travail de trouver les contreparties, parce que c'est un travail, hein, c'est prendre son téléphone, appeler les gens le matin, savoir qui veut acheter, qui veut vendre, trouver le prix d'équilibre, ce travail doit être rémunéré. Donc, si je suis dans un marché qui est imparfait, normalement, je m'attends à avoir des marges, que ce soit des marges d'intermédiation qui soient plus importantes. Et plus je vais vers un marché liquide, plus je m'attends à ce que cet écart, ce spread entre les prix d'achat et vente soit beaucoup plus faible. Je m'attends à ce que le niveau de taux, il y ait beaucoup moins d'incertitudes. Et c'est principalement sur les transactions qu'on va gagner de l'argent. On aura des marges moins élevées, mais sur des volumes plus importants. Quand je suis dans un marché qui est imparfait, je m'attends à avoir des volumes moins importants, mais sur des marges plus élevées. Donc, pour moi, on passe de l'un vers l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans une transition entre le premier et le deuxième. Le danger, c'est que si on est un marché qui n'est pas assez liquide et où malheureusement les marges n'existent quasiment plus, je pense qu'à un moment, les gens vont arrêter de faire l'effort pour essayer de trouver le bon niveau et de transiter sur le marché secondaire. Donc, avoir un marché imparfait, moi, je considère que ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Je pense qu'il y a des avantages à travailler dans ce type de marché. Il faut juste en être conscient. C'est potentiellement des marges plus importantes, mais c'est un exercice plus important qu'il faut faire en amont pour savoir où est le bon niveau, comment les taux vont évoluer. Il y a quelques mois, on avait regardé malheureusement, j'ai pas les chiffres sous les yeux. On avait comparé l'écart entre le taux marginal et le taux moyen pondéré lors des adjudications sur le primaire. D'accord. Et lorsque vous regardez ce chiffre entre 2000, la naissance du marché secondaire, et aujourd'hui, je pense que le chiffre que j'avais en tête, c'est qu'il était quasiment divisé par 3. Ça veut dire que l'incertitude que vous aviez lors d'une adjudication, les taux de sortie, l'écart entre le taux marginal et le taux moyen pondéré, il y a quelques années, aujourd'hui, a été divisé par 3. Donc, on a beaucoup moins d'incertitudes aujourd'hui sur le niveau de sortie sur le marché primaire. Donc, ça montre que on a une spécialisation qui est en train de se mettre en place. On a un niveau qu'on connaît tous, hein, c'est-à-dire que il y a moins d'incertitude sur le fait de se faire rejeter aujourd'hui parce qu'on a eu un taux qui est complètement faux. Donc, on est en train d'aller vers cette maturation du marché. Et il va falloir que ce processus s'accélère, je suis complètement d'accord. Mais d'avoir un marché imparfait n'est pas une mauvaise chose. Ça, je pense que c'est là où même parfois les opportunités les plus intéressantes sont. OK, merci beaucoup, Babacar. J'ai une question que j'aimerais adresser à Jean-François. C'est une question de Nadje. Pourquoi les compagnies d'assurance
ne crée-t-elle pas des départements spécialisés qui puissent intervenir sur les marchés sans avoir recours aux compétences techniques des SGI? Bon, j'ai envie de dire, avant que Jean-François ne réponde, qu'il faut quand même laisser chacun faire son travail. Mais Jean-François, je te laisse répondre. Merci, merci à vous. Non, mais ça existe déjà pour certains groupes d'assurance ont déjà leur service de gestion de portefeuille. Hein. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Maintenant, comme je l'ai dit, chacun a son métier. Et donc, après, il peut y avoir des différences, non seulement sur les stratégies de gestion appliquées, mais aussi sur les rentabilités, normalement. Donc, mais de plus en plus, on assiste à la création de structures spécialisées, non seulement au sein des compagnies d'assurance, mais aussi des fonds de pension qui se mettent en... qui s'organisent pour justement mieux gérer leur portefeuille. Ok, d'accord. Merci. Je reviens sur Babacar, bon, qui est ancien de UMO à titre. Il y a une question qui est adressée. Pourquoi est-ce que l'agence UMO à titre n'a pas de projet de faire une courbe des taux sur le marché secondaire? Je réponds en tant qu'ancien de UMO à titre ou bien je réponds en tant que... en couplant les deux casquettes. Non, sinon en tant que DGA de BDA. De BDK. Alors, je vais peut-être aller à contre courant de l'attente qu'on a tous, hein, en tout cas de l'attente par rapport à UMO à titre. Je pense que l'exercice, c'est d'abord un exercice que les acteurs du marché font. Je m'explique, si demain on restait 2 mois sans adjudication sur le marché primaire et que l'adjudication devait se faire, je pense que chaque trésorier aurait une idée du taux d'intérêt. Et cette idée du taux d'intérêt serait différente d'un trésorier à l'autre. Je pense que chacun de nous aujourd'hui a des informations disponibles. On a des taux de sortie sur le primaire, on a les transactions qui se font sur le secondaire avec les niveaux de rentabilité, même si j'ai quelques réserves par rapport au niveau de détail qu'il y a. On a tous accès à une information qui nous permet de bâtir notre propre courbe. D'accord ? Et c'est pour ça que je pense que c'est important, c'est-à-dire que Il ne faut pas qu'on, d'après moi, qu'on se dise qu'on va avoir une courbe de taux et celle qui est donnée par UMO à titre, on aura réglé tous les problèmes. Je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'il y a l'hypothèse qu'on fait ou l'information disponible, mais il y a surtout où est-ce que ce taux sera demain, où est-ce qu'il sera dans une semaine. Et c'est ça qui dicte les transactions. Si demain on dit qu'un taux à 3 ans est à 4,50 et c'est la règle fixée par UMO à titre, est-ce que ça veut dire que toutes les transactions qui se font sur le marché secondaire sont à 4,50? Non. C'est un point de départ. Ça peut aider, mais il ne faut pas qu'on pense que c'est ce qui va régler tous les problèmes. Donc, est-ce qu'UMO à titre peut produire des informations? Oui, c'est une bonne chose qu'ils produisent des informations. Est-ce que ces informations qui vont être produites vont être le déclencheur pour tout d'un coup avoir des volumes qui vont exploser? Je n'y crois pas trop. Ok, merci beaucoup, Babacar. J'ai une question à deux volets de Ahmed Fall. Donc, tu vas continuer, je te laisse encore la parole et après Jean-François pourra prendre le relais sur le deuxième volet. Comment expliquer que les banques qui ont des ressources relativement courtes puissent se positionner sur des stratégies longues de 15 ans in fine en buy and hold? Puis de la, ça, c'est d'abord pour toi, Babacar. Et le second volet, puis de la place des assureurs buy and maintain par nature, notamment sur le segment vie, sur le marché des titres publics. Ça, ce serait pour Jean-François. Alors, par rapport à la première question, je pense que c'est le type de sujets qui sont discutés en comité ALM. Je pense que la vision globale du bilan d'une banque, c'est le comité gestion actif-passif qui le fait. Cette vision globale va tenir compte aussi bien de règles internes qui vont être fixées par notamment la direction des risques, le conseil d'administration, et aussi par des indicateurs prudentiels qui mesurent notre capacité à faire de la transformation bancaire. Transformation bancaire, c'est avoir de la ressource. Quelle adéquation j'ai entre ma ressource et mes emplois? Et on a des indicateurs qui nous limitent dans cette possibilité de prendre de la ressource courte pour faire des emplois longs. Je considère que si un certain nombre de banques aujourd'hui
peuvent acheter des titres à 15 ans, 10 ans, 15 ans, sans pour autant être en infraction sur le ratio de transformation, c'est qu'ils ont la place, c'est-à-dire que leur structure globale bilancielle permet de le faire. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je pense que il y a une limitation à pouvoir suivre ce mouvement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas suivre éternellement le fait de pouvoir acheter des titres longs. Hein. Le bilan de banque, effectivement, n'est pas le plus adapté pour mettre beaucoup d'emplois longs. Mais ça, chaque trésorier de banque ou chaque comité ALM apprécie la structure bilancielle et la capacité à pouvoir aller vers des emplois longs, en adéquation avec la nature des ressources. Donc, je pense que certaines banques aujourd'hui ne sont pas positionnées sur le long terme, d'autres le sont. Là encore une fois, c'est ça qui permet de faire le marché. Chacun a ses contraintes. Comme je dis, soit elles sont fixées par le cadre réglementaire, soit par son norme interne que chaque banque va se fixer. Mais oui, il y a une limitation à pouvoir suivre ce mouvement d'accroissement des maturités. Et je pense que le lien est fait, c'est-à-dire que c'est là où on s'attend à avoir des acteurs qui sont structurellement positionnés sur la partie longue de la courbe. Et ce sont les assurances. Normalement, ce n'est pas les banques qui le font. Je pense que la première slide, je prenais un peu le poids des autres investisseurs, et c'est principalement les assureurs. Oui, je pense qu'on attend les assureurs. En tout cas, on veut élargir cette base des investisseurs et avoir un peu plus d'acteurs qui, structurellement, sont capables de se positionner sur le long terme. On ne pourra pas suivre le mouvement si on ne dépend que des banques. Et d'ailleurs, je pense qu'on a indiqué tout au début que dans les contextes, dans les configurations de marché où les banques n'arrivent plus à suivre sur le marché primaire, c'est chaque fois là qu'on constate les remontées de taux d'intérêt. C'est-à-dire que la structure même des taux d'intérêt est fortement liée à la politique monétaire et aux banques. Si on arrivait à avoir d'autres acteurs qui sont positionnés sur la partie longue de la courbe, peut-être qu'on arriverait à avoir un peu moins d'incertitude sur les taux de couverture sur les opérations longues dans un contexte de taux d'intérêt un peu plus élevé. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a, mais ça pourrait à un moment être un frein au développement du marché. Voici ce que je pouvais dire par rapport à ces deux questions. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Jean-François a quelque chose à rajouter sur ce deuxième volet, comme j'indiquais. Sur le deuxième volet, j'avoue que si tu peux me revoir la question, parce que j'avoue que j'ai eu un peu de mal. C'était par rapport à la stratégie Ah, d'accord. Bayern. On va quand même un peu brosser vers la fin, mais je reprends toute la question, hein. Comment expliquer que les banques qui ont des ressources courtes puissent se positionner sur des maturités longues? C'est ce que Babacar vient de traiter tout à l'heure. Et après, dans le deuxième volet, c'est quid de la place des assureurs dans une stratégie de buy and maintain, par nature, notamment sur le segment vie, sur le marché des titres publics? Et ça, c'est une question assez complexe, c'est-à-dire quid du positionnement des assureurs sur assureurs-vie. Les assureurs-vie sont par définition les principaux collecteurs de l'épargne en ce moment sur notre marché. Donc pour eux, leur stratégie de placement, bien sûr, a tendance à refléter la stratégie plutôt buy and hold, surtout dans des conditions de baisse de marché. Mais le fait d'avoir des collectes récurrentes de fonds vous oblige à devoir, bien sûr, replacer ces fonds-là pour faire face aux passifs exigibles. Donc aujourd'hui, les assureurs ont plutôt tendance à justement adhérer beaucoup plus facilement à des stratégies de type buy and hold, puisque leur permet de se fixer à un niveau de rentabilité qui est plus ou moins certain, et donc de faciliter leur gestion du passif. Je ne sais pas si je réponds bien à cette question-là. Mais concrètement, je pense que le type de stratégie de gestion buy and maintain, donc qui nécessite quand même de combiner du buy and hold avec de la recherche de plus-value, c'est exactement ce que font aujourd'hui les assureurs quand ils le peuvent, au travers non seulement des SGI, mais ou de leur placement dans les fonds communs de placement. Donc c'est quelque chose qui est déjà fait à l'heure actuelle. Est-ce que je réponds bien à la Ok. question ou il y a un volet que Oui, je. les deux réponses se complètent pour ajouter un peu d'éclaircissement sur le point de Ahmed Fall. Au cas où il a besoin d'éclaircissement, il pourra toujours nous contacter. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous. Une autre question pour Idrissa, parce que bon, c'est le seul en ce moment qui est dans la diaspora hors UEMOA, donc je lui adresse directement cette question. Il voudrait savoir quel peut être l'apport de la diaspora africaine
pour le développement de notre marché régional. Merci Arnaud, ça, c'est une question assez compliquée. L'apport de la diaspora, je pense que on a toute cette question jusqu'à ce qu'on on fasse un voyage en Afrique. Et je pense que j'ai discuté de la même question avec Babacar quand j'étais à Dakar. Je pense qu'il y a un certain point de vue qui fait penser que nous n'avons pas les gens aux bonnes places ou bien que nous n'avons pas la structure nécessaire pour gérer les fonds au niveau de l'Afrique. Mais c'est tout à fait le contraire, parce que je pense que ce qu'on doit admettre, c'est que nous sommes à un niveau de développement où tous les marchés sont passés par là, que ce soit le Brésil, le Mexique. Je me rappelle encore que quand on a commencé pour le Brésil, le marché local, c'était de la même manière. C'était d'appeler qu'on est dans ton réseau pour pouvoir faire les trades. Mais à ce niveau, l'apport de la diaspora serait peut-être plutôt d'essayer de comprendre le marché. Et comme Jean-François l'a dit, ici, on a des benchmarks qui sont en train de venir. Et de ne pas simplement se fixer sur la rentabilité absolue. Il faut toujours regarder au niveau de la rentabilité relative et être prêt à accepter que souvent, le marché ne sera jamais parfait pour un départ. Par exemple, quand je parlais du fait des flux financiers, quand on se rend compte que, par exemple, pour investir dans un UCIT qui est basé à Luxembourg ou à Dublin, c'est quand même assez compliqué au niveau de l'investissement quand on parle de l'UMOA. Je me dis, si j'ai une rencontre avec Babacar ou Jean-François et qu'on a fait les différentes formalités légales et maintenant il faut faire le transfert de fonds dans le fonds qui se retrouve à Dublin ou au Luxembourg, c'est assez compliqué pour quelqu'un qui a l'UMOA. Mais quand on prend l'exemple de ceux qui sont en Afrique du Sud ou au Botswana, c'est carrément plus simple. Au Rwanda, c'est carrément plus simple et plus direct. Donc, je dirais que l'apport de la diaspora serait de participer au marché, que ce soit les actions ou les bons, à tous les niveaux. Je pense qu'on a les connaissances, on a les qualités. Jean-François et Babacar sont déjà un exemple parfait de cela. Et je pense que donner le temps au marché africain également de se développer. Je pense qu'il y a une certaine impatience quand on regarde, par exemple, le marché africain et qu'on le compare. Je dirais le marché de l'UMOA et qu'on le compare au marché sud-africain ou au marché du Botswana, c'est quand même des marchés à vitesse différente. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on tienne compte de ça. Et la diaspora, son apport serait la patience et la participation au marché. Comme Babacar et Jean-François l'ont dit, il faudrait y participer. Et quand on regarde la diaspora qui est revenue au niveau des compagnies, qui ont la trésorerie des grandes compagnies, les compagnies d'assurance, c'est de se rapprocher au niveau des intermédiaires, avoir une discussion, être capable d'expliquer clairement son plan financier. Je pense que ça aussi, c'est assez important. Et accepter que souvent, au début, on n'a pas tout le matériel nécessaire. Et je me réfère par exemple à la question que Babacar a répondu, comment faire avec une short duration alors qu'on a des bons de 15 ans. Par exemple, si on a les futures, ça peut faciliter, mais il faut se rendre compte que nous n'avons pas ça en Afrique. Donc, on devra trouver d'autres moyens. Donc, c'est d'être patient et participer dans le marché et au fur et à mesure que le marché se développe. Et aussi, avoir une critique positive pour les régulateurs. Je pense, par exemple, au CREPMF. Quand quelqu'un va sur le site et qu'il voit quelque chose qui peut être assez important, c'est de le mentionner. Un exemple concret, hier, par exemple, on a participé à la notation financière et j'en discutais ici ce matin avec certains collègues. Et la simple question est de savoir pourquoi diviser les pays entre Bloomfield et Wara. Par exemple, ici, quand on regarde chez nous, chaque participant, chaque notation financière, Moody's, Fitch ou S&P, ils ne décident pas s'ils veulent noter ou si tu dois noter entre Abu Dhabi et, par exemple, Oman. On note les deux et très souvent maintenant, ça revient à l'investisseur de décider s'il veut la notation la plus haute ou la notation la plus basse pour construire son portefeuille. Je pense que ça, par exemple, c'est des points concrets. Un exemple, quand on parle de la diaspora, et je sais qu'on était assez deux ou trois autour du café, et je me suis dit, c'est quelque chose à apporter, c'est une pierre à apporter en disant, par exemple, ce n'est pas la peine de faire une division entre les compagnies de notation, parce qu'il faut également ouvrir le marché. Et avec les faillites, on pourra faire la différence entre les compagnies de notation. Si Babacar fait confiance à une compagnie de notation qui donne un 3A et après il y a
une faillite. Il dit que dorénavant, il ne fera plus confiance à cette compagnie de notation. Et je pense que ça, c'est des exemples concrets que la diaspora pourrait apporter. Et je pense que le terme diaspora pour l'Afrique, c'est un peu, il est un peu péjoratif, mais je me dis que c'est la participation de nous tous, que ce soit Arnaud, Jean-François et Babacar. On a tous fait l'extérieur, donc c'est assez important que chacun revienne avec les connaissances et les critiques positives pour permettre au marché d'aller de l'avant. Merci. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup. Une dernière question pour toi. Dans ton intervention, tu as fait cas de restrictions sur notre marché, donc, notamment en termes de mouvement de flux financiers. Et donc, le participant souhaiterait savoir si tu pouvais un peu développer davantage et donner des précisions sur les restrictions dont tu parles. Merci. Ça, c'est une question que j'ai rencontrée quand j'étais à Dakar. Et je pense qu'ils appellent ça la réglementation 09. Et quand je suis revenu, j'ai soumis ça à notre département juridique qui est là-dessus pour essayer de comprendre. Je pense qu'il s'agit des investissements à devise internationale. Par exemple, si Babacar décide d'investir dans notre fonds qui est basé en Irlande, comment ça se passe concrètement? Je pense qu'au niveau de l'UMOA, il y a certaines transactions qui doivent passer par la BCAO, il y a des accords à avoir avant de pouvoir débloquer les fonds pour qu'ils arrivent au niveau de notre fonds d'investissement qui est basé en Irlande. Et je pense que si je m'amuse à donner d'autres éléments plus de clarification, ça ne serait que vous induire en erreur. Mais dès que notre département juridique finit l'analyse, on pourra effectivement savoir comment apporter notre pierre à la construction du marché de l'UMOA et comment introduire les investisseurs dans nos fonds. Donc, c'est à ce niveau que je parlais de certaines restrictions au niveau des flux financiers. OK, merci beaucoup. J'ai une question adressée à Babacar et à Jean-François de M. Moustapha. Quels sont les principaux déterminants de l'évolution des taux dans notre zone UMOA? Jean-François d'abord et Babacar pour la suite. Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Les principaux déterminants, on les cherche encore, on va dire, à notre niveau. On a plusieurs éléments de réponse, mais de manière spécifique, quels sont les... Déjà, on a noté tout à l'heure la forte liquidité qu'il y a sur le marché. Donc, cette forte liquidité-là influe forcément... 0,7. Non seulement... 7, 75... Ah. 74, 59. Il y a un micro ouvert là. Il y a un micro qui est ouvert. J'arrive pas à savoir ce qui dit. Voilà. Donc, comme on l'a dit, le marché obligataire a fondamentalement changé depuis pratiquement 2 ans maintenant. On constate vraiment un fort accroissement de la liquidité, donc qui tend à favoriser l'affaiblissement des taux. Donc, ça, c'est une des explications que l'on a à notre niveau. Et puis, bien entendu, le contexte macroéconomique de notre zone. On a parlé du contexte mondial de Covid qui nécessite justement l'émission de bons de relance et d'obligations de relance, donc forcément à des taux un peu plus faibles. Donc, pas mal de conditions macroéconomiques et surtout un fort accroissement de la liquidité au niveau du marché. Ça justifie à peu près un peu l'évolution qu'on peut voir à ce moment. Je vais laisser Babacar surtout donner un peu la suite de l'explication qu'il a à son niveau. Merci. Merci. C'est une colle. Alors, un de mes premiers patrons, je me souviens quand on venait lui dire, mais suivez le marché action, on venait lui dire, mais pourquoi le marché monte, pourquoi il baisse? Il disait parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs ou parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. C'était sa réponse en disant, laissez-moi tranquille. Je crois que sur les taux, il y a peut-être plusieurs facteurs qu'on va regarder, nous, pour avoir une idée du niveau observé et de la tendance. Je pense que le premier niveau, je dirais que c'est le niveau de demande des États. C'est-à-dire que quel est le besoin que les États ont manifesté sur notre marché. Je pense que c'est ce qui va donc fixer la partie demande. Et face à cette demande-là, on va la confronter à une offre. Et l'offre, ça va être là, sur la partie investisseur. Donc, bien sûr, le niveau de demande qui va être déterminant. Et ensuite, au niveau de l'offre, donc pour nous, les banques, je pense qu'on va également regarder beaucoup d'éléments. On va regarder la politique monétaire.
C'est-à-dire qu'on va se dire dans quel contexte est-ce qu'on est. Savoir est-ce qu'on est dans un contexte de politique monétaire accommodante ou pas. Donc ça, c'est un élément déterminant sur la structure des taux courts, pardon, et ensuite de l'évolution. À côté de la politique monétaire, on va bien sûr regarder la conjoncture économique. C'est-à-dire qu'on va se dire qu'est-ce qui va se passer à court ou moyen terme. Je pense que raisonnablement, on peut tous être d'accord pour dire que si on pense qu'il y a un retournement de la politique monétaire et que cette dernière devait être durcie, on se dira tous naturellement les taux vont remonter. Et après, chacun de nous va se dire, OK, mais cette remontée de taux, où est-ce qu'elle sera? Est-ce qu'elle sera plus sur le court terme? Est-ce qu'elle sera plus sur le long terme? Et là aussi, ce qu'on va regarder, c'est quelle est la structure du portefeuille actuel. C'est-à-dire que vont faire les investisseurs, en tout cas ceux qui sont au niveau de l'achat, partie achat, et voir où est-ce que l'impact va se faire sur la courbe. Et je pense que c'est tous ces éléments-là qu'on va rentrer dans un. Qu'on va essayer de regarder. Et chacun de nous va mettre un poids plus ou moins important à chacun de ces éléments-là. Et va se dire voici ce que je pense qui va se passer. Et c'est là où on va ensuite introduire la partie anticipation. Mais je pense que c'est les besoins des États. Est-ce que ces besoins vont augmenter ou vont baisser? Quelle est la politique monétaire de la Banque centrale? Quelle est la conjoncture économique? Après, on peut un peu regarder la conjoncture internationale. On peut la regarder, mais je pense qu'on est dans un marché qui est moins sensible. Je ne dirais pas qu'il n'est pas sensible. Il est moins sensible à la conjoncture internationale. Pourquoi? Parce que 90% des titres sont détenus par des banques locales. On a très peu d'investisseurs internationaux. Donc, on a moins ce facteur, ce que moi j'appelle fast money, hein, des gens qui viennent, qui peuvent acheter beaucoup de titres, mais qui peuvent aussi repartir et vous faire très mal quand ils sortent. Quand aujourd'hui, tout le monde parle à l'étranger de remontée de taux possible et d'impact que ça sur les taux d'État, les taux souverains à l'étranger, on ne le voit pas dans notre union. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont là, mais qui n'impactent pas trop notre marché, ou peut-être qui mettront plus de temps à l'impacter. Donc voilà, je pense que c'est la lecture qu'on fait de tous ces éléments. Et après, c'est quel poids chacun de nous donne à ces éléments. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui psychologiquement est là, c'est comment on interprète les dernières émissions. C'est-à-dire qu'on a aussi un réflexe naturel, c'est que le premier indicateur qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière adjudication. Quel est le taux de rejet? Quel est l'écart entre le marginal et le moyen pondéré? Et on se positionne ici par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va regarder. Et bien sûr, on aura tous des avis différents. Merci beaucoup. On pourrait t'écouter encore des heures durant, mais là, on est un peu pris par le temps. Merci beaucoup pour ce point, pour ces éclairages. Je vais faire un dernier tour pour pouvoir avoir effectivement le message à faire passer par chacun de nos panélistes par rapport au sujet pour lequel on a échangé aujourd'hui. Un message pour chacun, disons 45 secondes pour chacun. Je commence par Idrissa. Merci. Je tiens d'abord à remercier encore Imoatif et Adrien et son équipe et mes chers co-panélistes. Je pense que le message pour moi, c'est un message de patience quand un marché est en train de se développer. Je pense que la critique positive est nécessaire et comme mes deux co-panélistes l'ont dit, chacun doit y contribuer, non seulement en n'oubliant pas la rentabilité, mais également à ce que le marché se développe pour que cette rentabilité puisse être maintenue. Je pense que c'est un aspect important. La rentabilité, bien sûr, c'est ce que l'investisseur ou le manager est en train de rechercher. Le cadre pour soutenir ou maintenir cette rentabilité en y allant de l'avant. Merci. Merci beaucoup, Edith. Je passe la parole à Babacar. Merci beaucoup, Arnaud. Moi, c'est rapidement, je me souviens qu'en 2014, on parlait d'assimilation dans notre marché. On parlait de réouvrir une émission. C'était 5 ans après, on parle de stratégie buy and hold, on parle de gestion de portefeuille, on parle de duration.
On est passé de 100 transactions dans l'année à 2000 opérations. Donc, je pense qu'il y a eu un gros mouvement et je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Je pense qu'il y a des choses très bien qui ont été faites. Il y a encore des choses à faire, mais je pense qu'il faut surtout qu'on maintienne ce cap d'évolution. Et c'est finir en remerciant Lumo à titre, qui, je pense, sans elle, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment dire un grand bravo. Et vraiment apprécier la qualité des échanges qu'on arrive à avoir aujourd'hui sur notre marché. Encore merci. Merci beaucoup, Babacar. Jean-François. Merci. À la suite de Babacar, j'aimerais remercier vraiment l'organisation, donc UMO à titre et vraiment toute son équipe pour mettre en place justement cette plateforme d'échange. Comme l'a dit Idrissa, c'est les étapes nécessaires pour la mise en place d'un marché beaucoup plus développé. On a déjà fait des efforts, on a vu des évolutions notables sur le marché. On dispose aujourd'hui de données. Il ne s'agit plus maintenant qu'à mettre en place les conditions nécessaires. Et comme je l'ai dit encore, c'est vraiment rassembler les acteurs qui ont différentes stratégies sur une même plateforme de manière à pouvoir créer les conditions de liquidité au travers d'un carnet d'ordre ouvert à tous, donc à tous les intervenants du marché financier. Ça va nous permettre vraiment de dynamiser les échanges sur le marché secondaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, chers panélistes, pour ce temps pris pour partager avec nous et les différents participants cet échange qui porte sur la stratégie buy and hold et les éventuelles possibilités en termes d'alternatives. Merci pour la qualité de vos échanges. Et je passe effectivement, bien entendu, la parole et le point aux organisateurs. Et vous remerciant, et que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde. Merci à vous. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci, monsieur le modérateur Arnaud, pour l'intervention très brillante aussi et surtout les questions. Il y a eu certaines questions, malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre donc pour des contraintes de temps et. Je précise que les panélistes aussi pourront répondre inbox aux différentes questions qui ont été posées donc dans le chat. En tout cas, merci encore une fois pour votre brillante intervention.